petit chaman, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude, pour une nouvelle guidance sur le thème qu'est-ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez, avec des petits conseils dessus. On va aller regarder en canalisation ce qui me vient. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie encore du fond du cœur pour vraiment votre présence au quotidien, tout ce que vous m'envoyez, les messages privés ou soit en commentaire et toutes les demandes de séance avec moi. Je vous remercie vraiment de votre confiance et de tout l'amour que je reçois. Vraiment, merci infiniment. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Et puis pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo, déjà d'un, il n'y a pas de hasard. Et si vous ne me connaissez pas, justement, je m'appelle Aurélie. Je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme, médium, clairaudiente. Il se peut que lors des guidances, vous ressentez des choses dans votre corps, que ça travaille, c'est normal. Il y a probablement un soin qui se fait. Donc écoutez votre corps, où ça se situe, il y a des messages de toute façon. Sachez que cette guidance est générale, intemporelle et qu'elle est aussi protégée comme toutes les guidances sur cette chaîne. Et s'il y a un soin qui se fait, naturellement, il est protégé également. Voilà. Alors les amis, on va commencer par vous présenter les choix déjà parce qu'il y aura deux choix de deux livres que j'adore. Hein. Voilà. Alors, le premier choix, c'est Message des hommes vrais au monde mature, qui est un superbe livre et que je vous recommande, de Marlo Morgan. Et le deuxième livre d'une personne extraordinaire, qui s'agit de Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent évidemment, Manifeste pour la Terre et l'humanisme. Voilà, ce sont vraiment deux livres que j'apprécie et que je relis avec grand plaisir. Voilà. Donc on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 et vous pouvez mettre sur pause si vous avez du temps, vous avez besoin de temps pour choisir. Voilà. Alors, on va aller voir ce que vous vivez les amis. Bienvenue à vous, les amis du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? On va déjà voir ce qu'on m'envoie en canalisation. Alors, ce que j'entends déjà, c'est le mot découverte. Aller à la rencontre de le voyage, que ce soit le voyage intérieur ou partir en voyage, un départ. J'entends un départ. Et la venue au monde d'un projet. La venue au monde de quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité actuellement ou qui va arriver à maturité dans pas longtemps. C'est comme si en fait on vous, j'entends aussi le mot un petit peu perdu. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez été un petit peu perdu ces derniers temps. C'est parce que vous avez eu besoin de, comment vous dire, d'aller à la rencontre de votre vérité. Il y a quelque chose qui demandait à être entendu à l'intérieur de vous. J'entends le mot également authenticité. Vous avez besoin d'être authentique avec vous et avec les autres. Et j'entends aussi que vous êtes lancé un nouveau défi ou que vous allez vous lancer un nouveau défi. On dirait que vous vous testez ou que vous avez la sensation qu'on vous teste. Il y a des choses magiques hein, tout autour de vous qui se produisent. Magiques dans le sens où, alors ce sont peut-être des signes que vous recevez dans des endroits spécifiques, on me dit dans des endroits spécifiques. Il y a un rapport aussi avec l'eau. L'eau. L'eau qui est un élément qui va vous faire du bien ou qui vous fait du bien en ce moment. Oui. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. On va aller ouvrir une page au hasard. Parce que
Hop. Ici. Ok. On va voir ce qui me vient. Alors pour moi ici, il y a un apprentissage. Alors soit vous allez faire une formation, je vous ai dit, vous allez vers quelque chose de nouveau, un départ, un nouveau départ, un voyage intérieur. En tout cas, il y a un apprentissage ici. Il y a un apprentissage. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes dans l'expansion. Et on vous dit que votre expansion n'est pas terminée. Je suis désolée pour le bruit à côté. J'ai entendu des cris. Donc, peut-être que ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose qui hurlait à l'intérieur de vous, qui criait à l'intérieur de vous, que vous avez écouté. Il y a un besoin ici de, on dit de pas reculer, de ne pas reculer. Ne reculez pas. Il y a un besoin d'apprendre ici. Et d'équilibrer, c'est fait pour que vous équilibrez votre vie. Alors, pour moi, vous avez besoin d'examiner, vous avez eu besoin d'examiner, pardon, quelque chose en lien avec votre passé pour ne plus vous critiquer. D'accord? On voit qu'il y a de vieilles idées, de vieilles croyances qui s'en vont. Ici, on a le chiffre 7 qui m'apparaît. Donc, vous voyez, je lis pas la totalité des pages, mais il y a des mots qui me viennent comme ça et ce sont les phrases que l'on m'envoie. Voyons, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui jouent d'un instrument de musique, ou qui aiment la musique, ou que leur instrument, c'est leur voix. Il y a quelque chose avec votre instrument. L'instrument qui vous permet d'avancer ici, de grandir. Pour certaines personnes, vous avez l'impression que vous avez peu d'acquis ou pas assez d'acquis, alors que ce n'est pas le cas, on vous dit. Il y a peut-être des réflexions ici. Vous êtes en pleine réflexion ou il y a eu une phase de réflexion importante pour vous. 37, 37, j'entends le mot le 37. On me parle aussi de votre environnement. Peut-être que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un départ, un changement peut-être d'environnement, ou il y a quelque chose en lien avec votre environnement. Pour certains, c'était un environnement qui devenait défavorable. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a quelque chose qui était devenu invivable ou on va dire qui ne vous convenait plus. Pour moi, je vois vraiment des départs ici, des changements, ouais. Des changements très forts dans votre vie. Vous abandonnez votre vieille peau. Ici, on a là l'image d'un serpent qui change qui mue, en fait. Et on me dit que c'est une nécessité. On vous dit que c'est une nécessité. Ce que vous êtes en train de vivre, de toute façon, est une nécessité. Vous en avez besoin. Il y a quelque chose qui devenait destructeur ou une situation qui était devenue destructrice pour certains et qui prenait le pas sur les autres, on va dire, domaines de votre vie ou sur vous. Et on voit que vous avez su faire le tri, vous allez faire le tri ici pour moi. Il y a aussi des personnes qui vous ont envoyé, on va dire, leur venin, on me dit. Ou une personne en particulier qui vous a ouais, autour de vous qui devenait on parle du venin ici. Pour certaines personnes, vous avez essayé de secourir quelqu'un. On me parle de sauver quelqu'un. Mais cette personne, en fait, si ça vous correspond, évidemment, hein, si ça résonne avec vous, les amis, hein, parce que vous êtes nombreux. Donc je ne peux pas citer toutes les. Mais cette personne, elle n'était pas quelqu'un de sain et vous le savez ici, il y a un départ.
Il y a eu des choses qui ont été dites où quelqu'un ou quelque chose était trop toxique pour vous. Vous quittez une toxicité pour moi, quelle qu'elle soit, ici, d'accord? Des habitudes aussi, une vieille habitude, de vieilles habitudes. Il y a une évolution vraiment. Un lien aussi avec votre famille. Et vous allez faire un bond, on me dit. Un bond vraiment où vous avez fait un bond en avant. Très fort. Où vous allez faire un bond en avant. Pour certaines personnes, vous avez traversé un petit peu le désert, quoi. Où il y a eu une phase où vous avez traversé le désert. Ou quelqu'un autour de vous. Vous êtes très relié à la nature, aux animaux, aux plantes. Pour moi, c'est comme si je voyais une... Comment dire? Une plante qu'on déracine et qu'on enracine ailleurs. C'est ça. Il y a une transformation, il y a une mise au monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vois quelque chose qui se met au monde. Vous allez mettre au monde un projet pour moi. Vous avez vraiment, vraiment traversé une période où vous êtes en train de traverser une période où je vous vois marcher comme ça. Et il y a vraiment une introspection. Et je vois vraiment le mot vérité, vérité. Retrouver sa vérité. Votre vérité. Écoutez vos voix, votre voix, les voix de vos ancêtres à travers vous, qui vous enseignent énormément. Il y a quelque chose aussi avec l'enseignement. Donc soit vous êtes un enseignant, soit vous êtes en train de, comme je vous ai dit, d'apprendre quelque chose de nouveau actuellement. Qui va vous ouvrir des portes, je ressens des portes insoupçonnées. Donc tout ce que vous vivez va vous ouvrir des portes, hein, et plus rapidement que vous pensez. C'est une aventure extraordinaire. Alors peut-être que vous êtes parti en voyage ici, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressens le voyage dans une... à la rencontre d'une culture différente. Ah oui, je pense que ça va vous couper les mots, tellement ça va être fort. À la rencontre de cultures différentes, ça va vous bouleverser pour certains. Et c'est un chapitre magique de votre vie qui va vous ouvrir des portes. Pour d'autres, c'est vraiment un voyage intérieur, là. À la découverte de votre vérité. Il y a une vérité importante ici. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre? Vous, la voix, c'est important chez vous, hein? Votre voix. Votre voix est importante. Utilisez votre voix, on me dit. Utilisez votre voix. Ce que vous êtes en train de vivre est fait pour que vous utilisiez votre voix d'une manière ou d'une autre, pour qu'on vous entende, qu'on entende votre vérité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui arrive à maturation. Il y a une idée de miroir ici aussi. Ouais. Quelque chose que vous avez vu chez l'autre ou en l'autre qui vous a révélé des choses sur vous ici. Il y a eu une vérité. Il y avait peut-être aussi, ouais, une réflexion. Quelque chose qui vous a été envoyé en effet miroir ici.
et qui va éclairer une vérité en vous, ou que c'est en train de se faire actuellement. Ok les amis, on va les regarder avec les oracles. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et pourquoi? Donc là, je vais prendre un petit oracle. Enfin, ce sont des marque-pages qui m'a été offert. Je vais vous dire le nom de la part de Corinne. Ce sont des marque-pages oracle inspirant de A à Z avec des lettres. Voilà. Et je remercie Corinne, du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la retrouver. Donc son Insta, c'est @unjour1.o5. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc on va aller regarder ce que vous vivez avec ces cartes-là. Hop là. On va les utiliser. Alors, comme elles sont grandes, vous voyez, elles sont comme ceci. Et puis, il y a des messages de l'autre côté. On va aller les prendre au-dessus, comme ça. Ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous vivez, les amis? Et pourquoi? Déjà, qu'est-ce que vous vivez? Alors, qu'est-ce que vous vivez ici? Et on verra pourquoi après. Alors, on a le mot rêver avec la lettre R. Réaliser, envie, vivre, entièrement, rayonner. Et on voit un petit bonhomme ici sur le soleil. Je vous l'ai dit, vous allez accéder à un rêve ici pour moi, où vous êtes en train de rêver à quelque chose de grand. Mais il y a des gens qui réalisent leurs rêves ici, je vous sens victorieux, vous voyez. Je pense que vous avez comment dire, franchi une étape importante ici. Où vous êtes en train de franchir une étape importante afin de rayonner encore plus ici. On voit un soleil, hein. Donc c'est clairement ça. Vivre entièrement. Il y a quelque chose qui vous empêchait de vivre entièrement jusqu'à présent. Et pourtant, vous en avez des envies. On voit des oiseaux ici. Retrouvez votre liberté. Vous avez besoin de ça. R comme rêver. Action, incarnation, guidance. Marque-page à la fois aérien, terrien et solaire. Demande de mise en matière des rêves, réalisation de soi. C'est ça. Vous avez envie de réaliser un rêve ici. De vous réaliser. Et il y a quelque chose, vous avez fait la demande de mettre en matière, dans la matière, ce rêve en fait. Où ce rêve va se matérialiser, est en train de se matérialiser actuellement. Investir et incarner réellement nos vies. On vous demande ici, tout ce que vous vivez actuellement vous demande de vous investir et incarner qui vous êtes. Savoir que la source, l'univers, l'invisible entend, guide et favorise ses réalisations. Donc vous êtes soutenu. On vous guide dans l'invisible, dans le monde subtil. Ils vous entendent de l'autre côté. Ils vous guident et ils favorisent vos réalisations, celles que vous voulez mettre en place. Mais c'est comme si on vous demandait ici d'y aller, quoi. Hein? De faire des actions, d'incarner réellement qui vous êtes. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on vous pousse quelque part ou qu'on vous... Ouais.
qu'on vous pousse à l'action, à vous investir dans un projet que vous aimez, auquel vous rêvez, et de suivre votre propre, votre guidance intérieure, de suivre vos aspirations. Donc, c'est pas que rêver, c'est mettre ce rêve dans la matière et de vivre entièrement à travers lui, d'être victorieux ici. Donc, ce que vous vivez, c'est ça, hein, c'est réaliser, mettre dans la matière quelque chose. Et vous avez eu besoin, un projet, et vous avez eu besoin d'aller en vous, en fait, d'aller à la découverte de soi, de ici, vraiment, d'une vérité, hein, j'entends encore une vérité. On me dit une vérité. Et de vous libérer ici avec les oiseaux. De vous libérer, vous êtes en train de vous libérer dans votre situation. On va aller voir ici pourquoi vous vivez cela, hein? Pourquoi, même si on en a un petit peu encore une idée. Pourquoi, choix numéro 1, vit cela. On a beaucoup de jaune, hein? Wow, beaucoup de jaune, hein? Vous voyez, il n'y a pas que du jaune, hein? Il y a beaucoup de jaune ici. Donc, pourquoi vous le vivez? Grandir. Ben oui. Pour grandir, évoluer. Donc, oui, forcément. Tout ce qu'on vit nous fait évoluer, grandir. Donc, ici, c'est pareil pour vous. Garder, réunifier son âme. Nourrir, défendre, intérieur. Rayonner. Il y a deux fois le mot rayonner, hein. Donc vraiment, chez vous, c'est rayonner. Vous avez besoin de nourrir un projet, de vous nourrir. Ça devient urgent, j'ai l'impression, ici. Il y a une urgence. Il y a une... Ouais. Et gardez cette connexion avec votre âme. Quelle que soit la situation que vous vivez, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous challenger, là. Qui vient vous challenger, pour vous pousser vraiment derrière vos retranchements ou à réaliser une envie, un rêve. Et à vous défendre ici, j'ai l'impression aussi. Hein? On vous demande de vous défendre. Vous êtes en train de vous défendre. C'est peut-être ça. Oui, il y a un mode de défense ici. Défendre vos opinions, défendre vos valeurs, défendre votre spiritualité, défendre votre vision du monde, défendre. Ici, c'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être une situation ici qui vient vous challenger pour défendre vos droits aussi, défendre vos valeurs, défendre qui vous êtes, d'une manière ou d'une autre. Mais pas dans le combat ou le conflit, dans l'acceptation, dans le fait de rayonner, de mettre en place quelque chose dans la matière. Il y a une idée de réunification, de réunifier. Mais on sent que c'est un lien avec votre place, si vu le jaune qu'il y a, c'est ça, hein? La confiance en soi, c'est pour faire grandir la confiance en soi, la confiance que vous avez en vous, en un projet, en un rêve qui vous tient à cœur ici. Il y aura pour certaines personnes une réunification avec quelqu'un, un partenaire, un partenariat. Il y a quelque chose qui va se réunifier aussi dans un rêve ou un projet. Quelque chose, je vois une réunification ou... Ouais. On a l'âme ici, d'âme à âme.
Voyons, on va regarder. Alors, j'ai comme grandir. Connaissance de soi. Connaissance de ses limites. Positionnement. Ouais. La situation que vous vivez, ce que vous vivez actuellement, met en évidence un besoin de connaître vos limites, de vous positionner. On le voit avec le jaune ici. Hein. Vraiment, hein, la place, je vous l'ai dit. Être à sa place. De vous positionner véritablement. On vous dit que ce qui est important, ce n'est pas la destination finale, mais le chemin que vous allez entreprendre. C'est ça qui est important. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait d'authenticité, je le ressentais par rapport au livre, et je l'ai là aussi. Agir pour être le plus authentique par rapport à son moi profond. Donc ici, vous vous délestez vraiment de tout ce qui fait que vous n'êtes pas authentique envers vous-même. Et aussi, ça parle aussi de relationnel, c'est-à-dire de trouver un positionnement dans vos relations, poser des limites, vous affirmer. Ouais, ça c'est très important en fait. Il y a un besoin aussi de mettre en place des rituels simples dans votre quotidien. Trouver des rituels, voyez, des rituels quotidiens, on me dit. Donc ici, c'est vraiment pour poser des limites et connaître vos limites aussi. C'est vraiment important hein, pour la suite de votre cheminement ici. Et de vous positionner par rapport à ce rêve, par rapport à vos envies. Ok les amis. Hop, on va aller prendre maintenant une autre carte. On va continuer. Ouais, je vais prendre d'abord un oracle que j'ai pas pris depuis un long moment. Enfin, un tarot, le Osho tarot de la transformation, le tarot. Donc, je ne suis pas tarologue, d'accord ? Pour moi, les cartes sont des supports énergétiques, des supports qui m'aident à canaliser, etc., etc. Je n'y lis pas forcément les cartes. Ce sont pour moi, comme je vous ai toujours dit, des portes. Voilà, des portes. Alors, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, il faut bien que je brasse de la lumière sur le chemin. On parlait de chemin justement ici. Que c'est pas la finalité qui compte, mais le chemin. Peut-être que vous vous fixez trop sur la finalité, alors qu'on vous dit que c'est le chemin qui compte. C'est ce que vous allez apprendre sur ce chemin. Et que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez faire ces pas. Et c'est pas en sachant la finalité que ça va vous rassurer. Pas du tout. Oui, il y a un désir ici. Hein. Il y a un désir. Mais il y a aussi un besoin d'accepter sa singularité. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé en vous ou que vous n'avez pas, mis en évidence ici parce qu'il y a la lune. Et c'est à l'envers, la singularité. Ouais, vous étiez attaché ici. Attaché en mode... il y avait une armure sur vous encore. Vous vous cachiez encore. Vous cachiez quelque chose. C'est pour ça que vous, il y a le mot rayonner ici. C'est que vous avez un désir profond. Mais il y a encore quelque chose à laquelle vous cachez ou derrière laquelle vous vous cachez. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Ah, le détachement. Hein. Il y a peut-être un détachement par rapport à un enfant ici ou par rapport à un nouveau départ.
Il y a la famille derrière, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe avec la famille, la valeur, les valeurs, je vous l'ai dit, hein, les valeurs. Vous avez à cœur de transmettre des valeurs. On va continuer. On vous dit de rester centré sur vous. Encore cette idée de singularité à l'envers. Donc voyez les amis, moi je vais lentement. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui speed. C'est pas la course à quoi que ce soit chez moi. C'est vraiment je prends le temps de ressentir les choses. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? On a l'énergie qui est sortie. L'énergie. Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle énergie là. Et on a le défi en dos de tête. Donc c'est un défi pour vous. Vous devez trouver l'inspiration, trouver des ressources, trouver vos limites. On vous teste, j'ai l'impression ici. Hein. On vous teste, hein. On vous défie, je vous l'ai dit, il y a un challenge. Pour voir si vous prenez soin de votre énergie, si vous savez comment est votre énergie, il y a quelque chose avec l'énergie. Canaliser votre énergie. Être aligné, centré sur vous. On vous apprend tout ça. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça. C'est où je dois mettre mon énergie. Comment est mon énergie. Comment est-ce que je la canalise. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Qu'est-ce qui me pompe de l'énergie. À qui je donne trop d'énergie. Il y a ce rapport aussi à la Terre, hein, ici, hein, on le voit bien. Et puis, c'est un défi pour vous. Il y a un défi ici, important. Qui vous demande de vraiment vous écouter un maximum. Un maximum. De savourer et d'être gratifiant malgré... Ici, on voit de la pluie, des nuages. Il y a le soleil derrière, mais malgré les intempéries, malgré peut-être qu'on vient vous challenger sur quelque chose, c'est toujours garder ici. Il y a le soleil, encore une fois. Hein. Le soleil ici, voyez. Le soleil ici. Et malgré tout, c'est rayonner. C'est trouver votre énergie. Comment utiliser votre énergie dans cette situation. Ouais. Donc il y a vraiment un défi. Un challenge. Pourquoi vous vivez cela? Pourquoi? On va mettre là. Hop. Pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation? Pourquoi? Il y a une idée aussi d'accueil, hein, d'accueillir ce qui est. Ouais, et en plus j'ai eu un... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais comme si quelqu'un tapait sur la vitre. Puis ce personnage a les bras ouverts et dans l'accueil ici. Et puis ce personnage-là est dans l'accueil également avec son bras, voyez, tendu. Donc c'est vraiment réceptionner, accueillir, accepter ce qui est. En fait, vous découvrez quoi. Vous êtes à la découverte de vous là actuellement. Il y a quelque chose que vous êtes en train de découvrir sur vous et votre énergie. Sur la façon aussi dont vous canalisez cette énergie. Alors, pourquoi vous êtes en train de vivre tout ça? On a la gratitude à l'envers. Je vous l'ai dit, hein?
La gratitude, hein, être gratifiant pour ce qui est et qui n'est pas. Ici, elle est à l'envers, donc. Pour certaines, c'est vraiment sortir de la victimisation, je dois le dire. Même si, voilà, vous pensez que vous ne l'êtes pas dedans. Mais il y a une idée de sortir un petit peu de pensée négative. Parce qu'elle est à l'envers. Et c'est pourquoi vous le vivez. Et encore une fois, il y a une idée d'accueil, vous voyez, accueillir, les bras ouverts. Donc peut-être qu'on ne vous a pas donné quelque chose, on ne vous a pas, comment dire, on vous a pas, vous n'avez pas eu ce que vous voulez quelque part. Et en ça, c'est un défi, ça vous fait travailler. L'acceptation et l'accueil, d'aller puiser en soi les ressources et de trouver, comment dire, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, de sans arrêt en fait j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas se reconstruire mais c'est sans arrêt se... J'arrive pas à trouver le mot. Se renouveler, c'est ça. Il y a une idée de se renouveler, renouveler ses énergies. Vous voyez? Je sens qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu ou que vous n'arrivez pas à accéder ou je ne sais pas. Et ça vous a fait travailler peut-être une blessure ici ou quelque chose en particulier. Qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Qu'est-ce que ça vous fait travailler du coup? Ouais, je vous dis, la transmutation, le changement, accepter le changement, accepter ce qui est. On a ici le scorpion et le serpent. Donc il y a une idée de vraiment couper avec une dépendance, quelle qu'elle soit ici. Il y a quelque chose qu'on se rattachait, il y avait l'attachement tout à l'heure. Et ça vous demande de la concentration, de la méditation quotidienne, on l'a vu tout à l'heure, des rituels quotidiens. Peut-être parce que ça vient chercher chez vous, peut-être que ça vous met en tension, ou ça vous met de l'anxiété, des choses comme ça. Mais l'idée du scorpion ici, c'est que cette transmutation est nécessaire. On l'a vu, c'est une nécessité pour vous pour avancer. Mais peut-être que... Et même c'est sûr que vous... Il y a quelque chose que vous n'acceptiez pas ici. Qu'est-ce que vous n'acceptiez pas? Peut-être que c'est une idée par rapport aux autres. Par rapport au regard des autres ou... Je sais pas, qu'est-ce que vous n'acceptez pas les amis? C'est une quête on vous dit. Hein. C'est une quête dans laquelle vous vous êtes... engagé quelque part avec vous, cette authenticité du départ. Vous voyez, il y a une idée de voyage aussi, hein. Quelqu'un qui a ses bagages et qui s'en va, de quitter sa zone de confort quelque part. Ce qui est confortable, mais qui est au fond qui ne vous convient plus. Donc il y a une idée ici de transformer, d'aller vers le changement en quittant ou en laissant derrière soi ce à quoi on était attaché, rattaché. Et en ça, c'est un défi, évidemment. C'est un défi. Mais c'est que pour vous, vous vous trouviez que vous, comment, vous vous réunifiez en vous. Parce qu'ici, on a God, Dieu, la porte vers Dieu et ce personnage qui s'en va. C'est-à-dire qu'il s'émancipe, il a confiance en lui. Et il sait que où qu'il aille, en fait, cette lumière brille en lui, est à l'intérieur de lui, d'elle, et que, comment dire, et qu'il peut y aller, qu'il peut aller vers cette nouvelle aventure, ce rêve qui lui tend les bras ici. C'est ça, hein?
mène cette quête. Ouais, mais c'est ça, la lumière sur le chemin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à mesure que vous allez avancer sur ce chemin que ça va s'éclairer. Et c'est pas en ayant la finalité ou en vous disant dans votre tête, ben la finalité c'est ça, que ça va vous rassurer. Parce que la finalité, au fond, ça sera jamais ce que vous, vous vous êtes dit ou vous avez interprété. Ça sera jamais ça, on vous dit. Et c'est en ça qu'il faut détacher, il faut vous détacher en fait. Parce que ça vous ralentit, ça vous restreint. Faut ouvrir votre cœur à ce qui se passe en fait. C'est ça. Et le chemin va s'éclairer à chacun de vos pas ici. Il y a de la lumière sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, voyez. On a un personnage ici, à côté. Je ne sais pas si vous allez voir ici. C'est garder la foi. Donc ici, pour moi, vraiment, vous quittez, je vous l'ai dit, dès le départ avec le livre, vous partez, vous quittez votre zone de confort et ça vient vous challenger. Ou on vous a enlevé quelque chose, ou vous avez l'impression que ça n'a pas marché, pas fonctionné. Mais en fait, il fallait que vous viviez ça, d'une manière ou d'une autre. Pour voir quoi d'ailleurs? Pour voir quoi vous deviez vivre ça? Alors là, il y en a trop. Ben, renoncez à ce que vous pensez savoir, connaître. Que vous pensez renoncer carrément. Oui, ici, il y a une leçon. Il y a une leçon que vous apprenez. C'est que vous ne maîtrisez pas tout, que vous n'avez pas tous les savoirs, que vous ne pouvez pas tout gérer. Et qu'il y a des choses dont que l'on ne contrôle pas et qu'il faut accepter. Et que ce n'est pas en lisant 56 000 livres ou en se disant des certitudes. C'est lâcher vos certitudes en fait, c'est ça. Hein. Vous êtes en train de lâcher vos certitudes ou c'est très compliqué pour vous de lâcher vos certitudes. Mais il n'y a pas de certitude. Et c'est une leçon que vous vivez ici. C'est une leçon. En plus, c'est la carte 13, donc c'est la carte de la mort. C'est vraiment ça. Il y a une idée qui meurt en vous, quelque chose qui meurt en vous. Et vous laissez tomber toutes vos certitudes, en fait. Tout. Ici, on parle de savoir, mais tout ce que vous pensiez savoir, connaître, en fin de compte, que vous n'aviez pas vécu, mais que là, vous êtes en train de vivre, de l'expérimenter d'une façon ou d'une autre. Et là, ça change tout. Donc, l'ego, peut-être qu'il en prend un petit coup, voyez. Mais ça s'appelle l'humilité. Et l'inconnu est partout quand on quitte sa zone de confort ou d'inconfort, au fond. L'inconnu est partout, à nous de l'accueillir ou pas. Mais ici, vraiment, il y a une leçon pour moi que vous avez apprise. Pour vous rendre compte et vous permettre de vous comprendre qu'en fait... Il n'y a pas de savoir dans le sens où il n'y a que de la sagesse d'accueillir ce qui est et qui n'est pas. Voilà, c'est comment je pourrais le traduire. C'est vraiment ça. Vers où vous dirigez. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, les amis. Ici, on parle de l'ultime accident. Et c'est le 5 qui a provoqué un changement. Vous voyez, on voit ici un personnage qui fait tomber quelque chose. Qui fait tomber
ces ressources, qui fait tomber quelque chose à laquelle peut-être il ou elle tenait. Quelque chose ici qui s'est... De l'eau ici, qui tombe sur le sol. Un acquis. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu des acquis, perdu quelque chose, alors qu'on vous dit que non, au contraire ici, par rapport à cette carte dont je vous ai parlé. C'est que vous, quelque part, vous lâchez des certitudes qui n'en sont pas. Et voyez, la pleine lune, encore une fois, elle vient éclairer une illusion, un mensonge, une peur, quelque chose ici qui devait être éclairé en fin de compte. Ouais. Vous renoncez. Et pour vous, c'est compliqué de renoncer. Parce que renoncer, c'est se soumettre, peut-être. Renoncer, c'est accepter. C'est accepter qu'on ne maîtrise pas tout. C'est accepter qu'on ne sait pas tout. C'est accepter qu'on n'a pas de certitude. C'est accepter qu'on ne peut pas prévoir certaines choses. Ici, ça, c'est ça qui me fait penser. Le destin. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Et ici, ça enlève une toxicité, quelle qu'elle soit. Ou des acquis, je renonce à des acquis que je pensais acquis. Des acquis qui ne sont pas des acquis, mais qui me maintenaient dans une illusion ici. Donc c'est difficile à lâcher. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train de vivre ça ou vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps. Ok les amis, c'est intéressant. Que vivez-vous et pourquoi? Le pavot qui est la carte du rêve. Encore une fois, on l'avait ici. Rêver. Le mot rêver et rêve. C'est pour vous rapprocher de plus en plus de votre rêve. Parce que ces certitudes, ces acquis, ces savoirs entre guillemets, cette addiction, cet attachement vous empêchait d'aller vers votre rêve. Donc il a fallu vous faire comprendre quelque chose ici, expérimenter quelque chose. Oh, c'est fou. Il y a encore le scorpion ici. C'est dingue. Vous voyez, il était ici, là, et il est ici. Donc, on a bien l'idée de la transformation, de la transmutation nécessaire ici pour moi. Quoi que vous fassiez, vous voyez, il y a un masque qui se brise ici. Ici, il y a un masque qui se brise. Vous vous cachez derrière une apparence, un acquis, une certitude. Et la vie nous montre qu'il n'y a pas de certitude. Et on ne peut rien contre la vie. Et contre ça. Et c'est quand on est face à des situations, des bouleversements qu'on s'en rend compte. Et ici, oui, le masque se brise. On ne peut qu'être authentique avec soi, accueillir ces nouvelles informations, ces apprentissages, on va dire, pour trouver le calme à l'intérieur. Le calme à l'intérieur. Vraiment. Il y avait peut-être une colère ici. C'est cette carte qui me le fait dire ici. Il y avait peut-être une colère ou quelque chose qui vous a mis en colère justement. Ou il y avait eu des tensions ou avec quelqu'un ou vous avez eu une colère par rapport à quelque chose que vous n'avez pas eu.
ou que qui s'est cassé la figure ici aussi, ou que je ne sais pas. Mais ça vous a appris beaucoup, énormément, à évacuer cette colère justement et à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Mais vraiment, d'être en communion avec vous malgré tout ce qui se passe et de retourner à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et pas trouver des fautifs à l'extérieur ou des coupables à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? Ça fait 5, encore une fois, hein. Il y a beaucoup de 5. Soit vous êtes en ami personnel 5, soit le 5 est dans votre et beaucoup dans votre comment dire, en numérologie, ou tout simplement c'est le changement, hein. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Voyons, il y en a 3 ici. Ouais, on a le détective. Donc, qu'est-ce qui vous arrive actuellement? Ben, vous êtes en train de chercher, vous êtes ce détective à l'intérieur de vous qui va voir au-delà des apparences, des acquis, au-delà de... Vous voyez, encore cette femme, elle a un livre ici. Au-delà des connaissances que vous avez ou que vous pensiez avoir, d'accord, vous avez, vous révèle le pouvoir, votre pouvoir d'observation et d'intuition, et de grande intuition, je dirais, et désir trouver la vérité. Vous êtes ce détective, vous êtes rentré dans la peau de ce détective qui voulait trouver la vérité. C'est ça votre quête. Et en voulant en trouver la vérité, eh bien, vous avez lâché. Vous devez lâcher des, comme je vous ai dit tout à l'heure, des choses. Pourquoi vous le vivez? Pourquoi vous vivez tout ça, les amis? Pourquoi? 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 Alors, il y en a plusieurs. Ouh là là. Alors là, il y en a 3. Donc, eh bien, écoutez, pour vous libérer déjà, bon, vous tenez ce flambeau ici, le flambeau de la vérité. Vous vous libérez, vous libérez les autres de vieilles croyances, on l'a vu, et des schémas de pensée négatifs. Je vous l'avais dit ici, la gratitude à l'envers. Ou de la victimisation pour certains. Donc pourquoi vous vivez tout ça? Eh bien, il y a 3 cartes. On a la carte du guerrier ici, du guerrier pour commencer. C'est ça, peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu, comment dire, vous avez besoin de toujours avoir raison, voilà, ne tuez pas la messagère, de connaître la vérité, qu'il y a des savoirs, etc. Que vous étiez dans l'ego, peut-être que vous désirez toujours remporter les victoires, que vous étiez quelqu'un d'assez compétitif, compétitive, à tout prix, et que vous ne vous rendez pas compte des répercussions que ça avait autour de vous, sur vos proches ou autres. Il y avait une idée ici d'y aller coûte que coûte, à tout prix. Voyez, le guerrier, mais peut-être dans un mauvais aspect, voyez. Pour retrouver le bon aspect du guerrier, c'est-à-dire de trouver votre force, votre habileté et une discipline par rapport à votre volonté, et de faire preuve de, comment dire, euh,
assouplir, pour vous assouplir, c'est ça. Vous assouplir, être ce guerrier, mais qui... Comment dire? Humble. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis humble, Aurélie, etc. Oui, mais là, il y avait quelque chose qui était en excès, les amis. Donc il y a vraiment une idée d'assouplissement, d'assouplir les choses. C'est vraiment ça. Pourquoi vous le vivez? C'est parce qu'il y a une idée aussi de conquérir coûte que coûte ou de... Il y a une idée d'excès, voyez? Quelque part, si vous le reconnaissez. C'est ça le plus important. Ensuite, on a eu la carte du guide. Pour que vous puissiez être ce guide pour vous. Voyez ce que je veux vous dire? C'est pour ça que vous vivez ça. Ce bon guide. Qui guide, qui vous guide, pour vous guider vous et guider les autres du coup. Et pour que vous écoutiez aussi votre, vos ressentis, votre intuition, votre clairvoyance. Au lieu de vous, comment dire, vous attacher à vos acquis, vos certitudes, à une idée de matériel aussi, de vous attacher à quelque chose de matériel qui est devenu inconfortable, voyez, et aller partir ailleurs, voyez. Et ici, on a l'enseignant. Pour vous permettre ici, aussi de devenir cet enseignant qui a le don de communiquer son savoir, son expérience, son habileté et sa sagesse. D'être dans l'équilibre, parce que ce personnage ici, il est dans l'équilibre. Il y a deux moitiés identiques dans ses mains ici. Donc un bon enseignant n'a pas de certitude, pour moi. C'est comme si ici vous... Ouais, c'est pareil, c'est ces idées de certitude, de connaissance. D'aller au-delà de vos connaissances, de vos acquis, pour devenir cet enseignant, ce guide ou ce guerrier de lumière ici. C'est magnifique. Et il a fallu aller être ce détective pour découvrir la vérité. Et on vous teste par rapport à ça. C'est clair, les amis. Voyons. Je vais prendre une petite carte de mon oracle que j'avais créé, que je n'ai pas utilisé depuis, mais c'est juste un prototype. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, voyez. Des conseils pour vous. Conseils. Des conseils pour le choix numéro 1. Alors, elle ne s'est pas retournée. Vous voyez, il y a l'énergie hein, en dos de deck. C'était la première carte ici. L'énergie, l'énergie. Canaliser votre énergie. Il y avait de la colère aussi. Hein. Il y avait une énergie très très puissante ici. Une idée de transition. Vous êtes en transition. Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? Allez. Si c'est pas clair, les amis, le changement. Pour aller vers ce changement et lâcher, lâcher, lâcher. Ouais. Pourquoi? Aller vers ce changement, c'est ça le conseil. On a l'illumination. Voir clair.
accueillir cette illumination, accueillir cette clarté. Voir la vérité sur ce qui se passe pour vous. Message. Alors là, il y en a trop. Oh, il voulait venir, mais il n'est pas venu. La montagne. C'est peut-être une montagne pour vous. Vous voyez ça comme une montagne. Mais en fait, si vous changez, et encore l'énergie est derrière, hein, si vous changez de perception ici, et si cette guidance vous a parlé, cette montagne, elle va... Vous allez changer de regard sur cette montagne, que vous voyez comme une montagne, en fait. Ouais, l'énergie, elle veut venir, hein, et trouver cette énergie en vous. Canaliser cette énergie en vous. Il y a vraiment une idée de canaliser, de canaliser. L'envol ici. L'envol. La carte 32 qui fait 5. S'envoler. Voilà encore une fois. Vers de nouveaux horizons. On l'avait vu les oiseaux. Ici. Ici on les avait vus les oiseaux. Je vous l'avais dit en début de guidance. Et on les retrouve ici. L'idée de liberté. De retrouver votre liberté. Et de sortir de schéma. Oui, de passer à l'action les amis, hein, si vous avez quelque chose à faire, un rêve à réaliser, d'y aller, on l'a vu tout à l'heure, pareil, l'action, hein, passer à l'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus dans lequel c'était, ici, action, voyez. Et je vous disais quoi? Que c'était en gestation, qu'il y avait quelque chose qui était en gestation. En maturité, qui devenait mature. Vous arrivez à maturité. Il y a eu un temps de gestation pour ça. Ok. On va prendre quoi comme dernière carte? On va prendre... Attendez, attendez les amis. Je vais prendre, ouais, un oracle que j'aime bien à chaque fois, l'oracle de la lanterne. Et on va finir par une carte de la lanterne pour vous, le choix numéro 1. Alors, un dernier message pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous vivez et pourquoi? Alors, pour certaines, on parle des femmes pour soutenir les femmes. Donc, pour moi, ici, il y a une idée de soutien, d'entraide, de communion, de partage. Ouais. De réunion, de réunification. Ici, on parle de femmes pour soutenir les femmes. Mais pour moi, c'est juste un message de dire ensemble et transcender nos limites. Donc vous allez vivre peut-être quelque chose ensemble avec quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou avec des personnes qui va transcender vos limites. Vous allez rencontrer des personnes qui justement sur votre chemin vont vous aider à réaliser tout ça. Et on a
la métamorphose, tout simplement. On l'a vu, le changement, la métamorphose, pour vous guider vers la métamorphose. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Écoutez les amis, tout est dit. Voilà, je ne peux pas dire plus, pas dire mieux. Merci à tous d'avoir écouté cette guidance les amis. N'hésitez pas à mettre un like pour la gratitude, c'est un merci aussi le like. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'adore vous lire, vous le savez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, faites grandir cette chaîne. Et voilà, je vous embrasse très 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 fort. Paix et amour sur vous. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans du choix numéro 2 avec ce merveilleux livre de Pierre Rabhi, Manifeste pour la Terre et l'Humanisme. On va aller voir déjà en canalisation ce qu'on m'envoie par rapport à vous, à ce que vous êtes en train de vivre et pourquoi vous le vivez. Donc on va aller voir d'abord qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Ok. Alors, ce qu'on m'envoie déjà pour vous, c'est que vous reprenez votre responsabilité par rapport à une situation. Il y a une idée de responsabilité pour manifester ce que vous voulez manifester. Donc, si vous voulez manifester quelque chose en priorité, on vous ramène justement à cette responsabilité qui est la vôtre par rapport à vous. On sent que vous êtes quelqu'un qui avait à cœur en fait de changer les choses, de comment dire, de participer peut-être à un projet, participer peut-être à j'entends à une étude, c'est bizarre, participer à créer de la nouveauté, des nouvelles idées. Ouais. Peut-être pour la Terre, d'accord? Puisqu'ici on a pour la Terre, peut-être pour autre chose. Ici je vois le mot essai, donc il y a dû avoir plusieurs essais. Vous avez fait plusieurs essais, plusieurs tentatives par rapport à quelque chose. Ouais, on me dit plusieurs tentatives. Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? On me dit qu'il y a des secrets encore qui ne sont pas encore révélés. Il y a des choses qui ne sont pas encore... comment dire? Qui ne se sont pas encore manifestées. Mais on voit que vous êtes engagé dans quelque chose ici. Ou que vous voulez vous engager dans quelque chose en priorité. Pour certains, peut-être que ça concerne un membre de votre famille. Ici vous voulez protéger vos valeurs ou il y a quelque chose avec les valeurs, avec un engagement vis-à-vis de vous qui devient de plus en plus fort en fait ici, qui devient de plus en plus fort, on me dit. On me dit également que vous avez évité le pire dans une situation. Ouais. Et vraiment, vous reprenez votre part de responsabilité par rapport à vous, à l'égard de la vie, pour définir vos engagements. Quelque chose qui vous inspire véritablement par rapport à votre éthique, par rapport à qui vous êtes. Donc vous allez mettre des choses en place par rapport à ça, ou on vous invite à le faire, ou ce que vous vivez vous invite à le faire. Peut-être que vous faites partie des gens qui fédèrent les autres, qui fédèrent les consciences, qui a à cœur de partager des messages, quels qu'ils soient. Ça vous... C'est important pour vous. Ouais, c'est important pour vous. On nous dit que vous avez quand même la tête sur les épaules ici. Vous avez la tête sur les épaules. Et que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Dans votre situation... ou dans ce que vous allez vivre prochainement. Vous êtes ce petit colibri qui fait sa part d'une manière ou d'une autre. Vous avez à cœur de le faire dans votre quotidien.
On me dit, alors je sais pas, ça peut parler, vous êtes un meneur d'hommes ou une meneuse, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un sur qui on s'appuie, à qui on donne des responsabilités. Mais là, vous devez prendre votre responsabilité vis-à-vis de vous. En fait, vous êtes un meneur aussi, une meneuse pour certains. Vous êtes un leader aussi, ou une leader. Où on vous ramène à ça, tout simplement. À prendre cette place, que ce soit dans votre métier ou par rapport au personnel ici, je ne sais pas. Mais c'est comme si on vous ramène à votre responsabilité vis-à-vis de vous. C'est vraiment ça. Je vais prendre une page au hasard. La symphonie de la Terre. Alors, je ne vais pas forcément lire tout, mais juste en ouvrant et en regardant, voyons ce qu'on va me dire. Vous êtes dans le prendre soin des autres, prendre soin des animaux, prendre soin de vos enfants, prendre soin. Et là, vous devez prendre soin de vous. Il y aura des solutions, parce que vous allez mettre en place des choses ici. Il y a eu, comment dire, ce qui était indispensable pour vous, c'était de comprendre quelque chose en particulier, je ne sais pas, puisque vous êtes nombreux. Et c'est d'aimer ce que vous faites malgré tout ce qui se passe autour. Peut-être qu'il y a eu comment dire, des challenges. Ici, on me parle de désastres, hein, de coups durs, de chocs. Mais vous allez mettre en place des solutions. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un là-haut, parce que là, c'est fou. Je sens quelqu'un de là-haut qui vous dit que vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes capable d'avancer et de mettre en place des choses petit à petit, petit à petit. Vous allez vous spécialiser dans un domaine. Et on vous dit qu'il va falloir être prudent, d'y aller vraiment avec prudence. Mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Oui, quelque chose qui vous fait vibrer, vibrer votre cœur. Et on vous dit de surtout, comment vous dire, que rien ne peut, de ne rien vous, comment dire, laisser vous atteindre. Il ne faut pas vous laisser vous atteindre ici, ni altérer ce que vous voulez faire. Vous allez plus contempler les choses. Vous allez retrouver de l'énergie parce que vous allez prendre soin de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre responsabilité, c'est vous d'abord. C'est je reprends ma responsabilité vis-à-vis de moi. Parce que j'étais tout le temps les responsabilités vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon travail, prendre des responsabilités, des responsabilités, des responsabilités. Il y avait quelque chose comme ça. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, les amis, là, maintenant, vous pouvez écouter le reste, il n'y a pas de problème, parce que tout n'est pas pour vous. Il y a probablement des petits messages par-ci par-là, mais si ça ne vous parle vraiment pas, allez voir le choix numéro 1, d'accord? Et si ça ne vous parle pas du tout, ben les messages n'étaient pas pour vous. Ici, il y a à retrouver un, comment dire, vous retrouvez une autre dimension en fait. C'est comme si je vous voyais, comment dire, soupeser plus les choses, prendre le temps de digérer les choses. Il y a aussi une idée de prendre le temps, prendre le temps. Et ne plus prendre sur vos épaules des choses qui ne sont pas à vous. Donc ici, pour moi, il y a une réalisation, il y a
une prise de conscience ou des prises de conscience. Peut-être aussi que si vous travaillez en équipe, de déléguer ou de vous appuyer sur des personnes de confiance dans votre situation, si vous avez besoin de personnes qui peuvent vous aider. C'est vraiment parce que c'est vous qui avez été habitué à faire ça, d'une manière ou d'une autre. Ok les amis, on va les regarder maintenant avec les oracles, ce que vous vivez actuellement et pourquoi. Donc pour ça, on va prendre un nouvel oracle marque-page qui m'a été offert par Corinne, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai reçu dans ce petit pochon, c'est fait main. Voilà, marque-page, oracle inspirant de A à Z. Et vous avez son Instagram derrière. Voilà. Et dedans, donc du coup, il y a l'oracle marque-page avec des marque-pages qu'elle a réalisés avec une première lettre où elle a créé des mots. Et juste derrière, vous avez les messages. Donc on va aller voir. C'est un très joli oracle qui vibre fort pour moi. C'est une belle idée, je trouve. Bravo à toi Corinne, si tu passes par là. Alors, message pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et pourquoi? On va faire comme ça et comme ça. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ok. La terre, non mais c'est impressionnant les amis, je l'ai fait devant vous. Hein. Manifeste pour la terre et l'humanisme, et on a la terre. Donc ici, clairement ici pour moi, vous avez à cœur en fait de bien vous ancrer en fait. Il y a peut-être un rapport aussi avec la terre. Peut-être que vous êtes un signe de terre ou ascendant terre. C'est possible. Taureau, vierge, capricorne. Ou que vous avez cet élément qui est très important pour vous en ce moment. On me parle de richesse, de trouver votre Éden, de trouver votre endroit sur terre où vous vous sentez bien. Vous avez peut-être, vous cherchez en fait, ou comment dire, vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour trouver ou construire votre Éden, votre paradis sur terre quelque part. Ouais. Et pour vous, c'est ça la richesse en fait. C'est ça la richesse. C'est de trouver votre bien-être et de vous sentir bien, d'avoir votre... comment dire, de trouver votre Éden en fait. Mais aussi il y a une idée de partage et de partager aux autres aussi. Mais là c'est comme si on vous ramenait à vous, vraiment. Il y a cette prédominance de bleu qui parle vraiment de, ouais, on parle de votre parole, que votre parole a du poids, que vous utilisez de plus en plus votre voix, votre parole est importante autour de vous, ou on écoute vos paroles, ou je vous l'ai dit, hein, vous êtes quelqu'un qui qu'on écoute aussi. Et même s'il y a des gens qui ne vous écoutent pas, il y a d'autres personnes qui vous écoutent attentivement parce que vous avez un impact par rapport à ce que vous dites. Mais vous êtes connecté aussi ici parce qu'il y a étoile. Hein. Donc vous êtes connecté aussi. Justement, c'est parce que vous voulez mettre en place une idée ou je sais pas, il y a quelque chose que vous voulez... pas encore, ouais, la richesse, voyons. T'es comme terre. T'es comme terre. Défense du vivant. On est bien dans le thème. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est incroyable. Abondance, protection, ancrage.
Alors, soit vous manquez d'ancrage, les amis, et donc du coup, ben, c'est ce que vous vivez actuellement. Tout est fait pour que vous retrouviez votre ancrage ici. Peut-être que vous êtes parti trop dans les étoiles à un moment donné, ou que vous avez été dans l'excès, dans quelque chose, que vous vous êtes oublié. Parce que vous êtes quelqu'un qui prenait des responsabilités ou on vous a donné des responsabilités, mais bon, vous les avez acceptées quelque part. Ou vous êtes... oui, c'est ça. Conseil d'ancrage, rappel de l'abondance naturelle, de la terre, de son côté protecteur, terre-mère ou Pachamama. Clairement, là, on y est avec Pierre Abhi, hein. On y est à fond. Vous avez un côté protecteur, protectrice en vous. Vous défendez beaucoup de choses en fait. Alors peut-être ici qu'on vous a fait travailler la blessure d'injustice aussi. Défense défensive. Peut-être que vous avez été trop sur la défensive. Vous défendiez trop à l'intérieur de vous. Ou vous étiez sans arrêt dans la défense pour ci, dans la défense pour ça. Alors c'est bien hein, de défendre. Ou alors vous êtes en train de défendre une cause qui vous tient à cœur. Par rapport à votre expérience de vie ici. Couleur bleue, comme la planète et le chakra de la gorge. Invitation à porter nos voix pour la célébrer, la défendre. C'est ça. Pour certains, vous allez défendre un projet qui vous tient à cœur. Et on va entendre votre voix. Pour la défense des femmes, la défense des animaux, la défense de la terre, la défense. Défendre votre projet, quel qu'il soit, par rapport à vos droits, par rapport à défendre, vous défendre par rapport à, je sais pas moi, une affaire de justice dans laquelle vous êtes. Ouais. Et on vous dit que vous êtes protégé. Mais en tous les cas, il va falloir entendre votre voix. Ça, c'est clair. Ah, il y a une idée de défendre. Et de manifester ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez la tête sur les épaules et surtout vous avez l'expérience pour. Et ouais, vous avez cette carrure pour défendre ce que vous voulez défendre, quelle que soit la cause ici pour moi. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande, c'est que vous devez défendre vos droits ici ou défendre. Vous protéger. Vous, on vous ramène vraiment à vous, hein. Oui. On va aller regarder maintenant pourquoi vous vivez ça. Pourquoi vous vivez cela, les amis? Hop, on va couper sur le côté et hop, comme tout à l'heure, on va aller prendre une carte. Pourquoi vous vivez cela actuellement? Hop, on a l'unité. Ah, mais ça va bien avec le thème. Hein. Peut-être que vous êtes un artiste, un artisan de lumière, que vous changez, vous voulez changer les choses, changer votre vie actuellement, changer de perception. Que vous êtes en train de déconstruire ou que vous avez déconstruit quelque chose, que vous devez développer vos talents, créer, ici il y a une idée de créer une unicité, créer des choses en union avec les autres, en partenariat, créer quelque chose qui va s'ancrer de nouveau ici pour moi. Unité, union, nouvelle et intime tendresse. Vous n'êtes pas égoïste si vous pensez qu'à vous. Vous êtes quelqu'un de cœur ici, j'ai l'impression. Vous voyez, on a un bonhomme, j'ai l'impression de voir un bonhomme. Et il y a un cœur qui sort là. Vous êtes une personne de cœur ici, ça c'est clair. Vous êtes dans le partage et l'union. Ou tout simplement, vous vivez une union avec quelqu'un qui est riche pour vous et vous avez à cœur de le mettre... de l'ancrer
de prendre vos responsabilités. Enfin, il y a une idée de créer une nouvelle, de la nouveauté, quoi. Et voyez, ce personnage, il a quand même beaucoup de rouge, hein. Et le rouge, c'est l'ancrage qui était ici. C'est le chakra racine. Donc pour moi, il y a une idée, vous sortez en fait d'un conditionnement lié à la famille, à vos racines, concernant l'idée d'être égoïste, de penser qu'à soi, qu'il faut toujours penser aux autres, et si, et si, et si, et ça. Donc ça, c'est bien de penser aux autres, d'être dans le don de soi, mais pas au détriment de soi. Donc là, c'est vraiment reprendre sa responsabilité. Et pour moi, vous allez défendre votre unité. Alors, je dis unicité, mais c'est unité. Votre intimité, quelque chose qui est intime pour vous. Donc peut-être que vous allez parler aussi de votre intimité, de quelque chose d'intime. Et on vous dit que vous avez les épaules pour. Peut-être à travers un livre, peut-être à travers votre voix. Mais ici, il y a une idée de communiquer par rapport à quelque chose qui est intime pour vous, à travers une intimité. Il y a une union, un partenariat qui va s'ancrer pour moi. Il va y avoir une certaine intimité, une nouvelle intimité pour certains, ou un renforcement intime à travers cette union, ce partenariat. Quel qu'il soit, que ce soit avec un enfant, un partenaire professionnel, votre partenaire, un nouveau partenaire, je ne sais pas, mais ici vraiment, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Et peut-être que en ce moment, vous revisitez la responsabilité. U comme unité, bilan, alignement, méditation. Ouais, ici, vous avez besoin peut-être d'un temps de pause. Pourquoi vous vivez ça? Pour vous aligner à qui vous êtes, peut-être pour méditer et faire le bilan de ce que vous avez vécu. Vous avez besoin d'un temps de pause, de prendre soin de vous, je vous l'ai dit, de vous mettre en priorité. C'est ça, c'est de revenir à votre responsabilité de vous vis-à-vis de vous. Donc il y a dû avoir une situation qui a déclenché tout ça, où c'est votre besoin d'ancrer quelque chose de nouveau qui vous a fait réaliser tout ça. Trouver l'alignement entre les pensées et les actes. Et c'est ça. On avait le côté étoile et le côté terre ici. Donc pour moi, vous avez des idées, des pensées. Il faut les transformer en fait. Mais peut-être que vous avez eu besoin d'un temps ici de faire le bilan pour reprendre votre responsabilité vis-à-vis de vous et d'ancrer, comment dire, de défendre vos droits, défendre vos idées, trouver votre abondance. Et si vous cherchez l'abondance, l'abondance est partout. Ben justement, vous êtes en train de traverser cela pour trouver cette abondance en vous. Mais ça passe par la responsabilité de soi, on me dit. C'est qu'il y avait quelque chose qui était percé ou on me dit une fuite énergétique, quelque chose qui fuyait. Ou une fuite, ou alors vous avez affaire à des gens fuyants, ou une fuite, où vous vous fuyez vous-même. Voyez, vous vous situez. Et donc, il y a eu besoin de cette union en vous, de vous reconnecter à vous. Et vraiment, vous êtes une personne de cœur ici, hein. Vous êtes vraiment dans le partage, la communion pour certains, vraiment une idée de mettre en terre quelque chose qui peut vraiment aider, quoi. Et ou une union, vous avez à cœur de renforcer votre union si vous êtes avec quelqu'un, ou d'ancrer cette union, ou d'ancrer à travers l'intime, ou si vous n'êtes pas avec quelqu'un, c'est vraiment, vous avez à cœur
Ben, on vous ramène à vous, quelque part. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok les amis, on va aller voir avec le Osho Tarot ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous vivez et pourquoi. Alors je précise que je ne suis pas tarologue, que les cartes pour moi, les oracles, les tarots sont des supports pour mon canal, ce sont des portes énergétiques. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? Ouais, vous avez envie de vivre totalement, pleinement quelque chose, que ce soit dans l'intime avec quelqu'un ou un projet. Vous avez envie de le vivre pleinement. Mais ça passe par un recentrage ici, par vous écouter vous d'abord. Il y a des bénédictions cachées dans ce que vous vivez. Oui. Vous allez vers un renouveau. Il y a vraiment ce besoin de vivre pleinement. À fond, quoi. Vous avez l'air décidé, en fait. Il y a des gens qui sont décidés ici. Ou qui vont se décider. Alors, je suis désolée pour le bruit autour. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, on me dit de brasser encore. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et pourquoi? Alors, je suis désolée s'il y a des micro-coupures. C'est parce que mes voisins font beaucoup de bruit, énormément. Et que voilà. Alors, message. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement et pourquoi, les amis? Ouais, pour moi, j'ai envie. Pour certains, vous avez vraiment envie de rentrer en communion avec les autres. Vous avez envie de faire un projet pour réunir. Ouais, pour certains, c'est vraiment ça. Alors, il y en a trop. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Bon, ça, c'était le choix numéro 1. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec le choix numéro 1, encore une fois. Passé, présent. Voilà. Vous avez quitté, en fait, peut-être le choix numéro 1, ici, pour moi. Qu'est-ce que... Ok, on a la concentration. Donc, ici, ce que vous vivez vous demande ici de vous concentrer sur un but, sur vos perceptions, sur ce que vous ressentez. Vous avez justement quitté des certitudes ici, donc c'est vraiment la suite du choix numéro 1, je pense. Vous avez lâché un besoin de contrôler quelque chose. Et du coup, ici, vous pointez comment dire? Vous changez de regard et vous vous concentrez différemment sur la situation que vous vivez. Ouais. Alors, ça concerne peut-être deux personnes, encore une fois, hein, puisqu'on voit deux personnes ici. Donc, une union. Ça peut aussi concerner un partenariat, mais ça peut vous concerner vous tout seul aussi, en union avec qui vous êtes. Vous avez lâché quelque chose derrière vous. Et on vous a guidé pour ça, hein. On vous a guidé. Et ici, cette femme, elle est habillée de bleu, en bleu. Et on a vu ici le bleu également, qui parle du chakra de la gorge. Donc, vos mots vont viser juste. Vous vous concentrez sur vos mots, sur ce que vous allez dire aussi. Peut-être par rapport à la défendre, vous défendre en fait. Vos mots vont changer. Enfin, on voit que la parole ici est importante. Pour moi aussi, c'est ce que je vois, c'est que peut-être que vous avez préparé un discours pour certains, je dis bien pour certaines personnes, et parce que vous deviez parler devant des gens ou je ne sais quoi, et vous avez lâché ce discours et vous êtes allé vraiment en freestyle. C'est-à-dire que vous avez laissé parler votre cœur ici, vous avez visé juste.
Et c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est de parler avec le cœur, de viser juste, de vous concentrer sur vos mots et pas sur... Ouais, on dirait que vous allez y aller vraiment en lâchant le contrôle, c'est ça. Et vous allez être, vous changez de perception et de regard. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont concentrés sur vous, une personne en particulier, qui sont concentrés sur vous, hein. Je ne sais pas pourquoi, si vous êtes, voilà, connu ou si vous avez un public, je ne sais pas. Ouais, on me dit que vous restez concentré sur ce qui a de l'importance maintenant pour vous, ce qui vous unit, ce qui vous nourrit. Vous voyez, c'est pointé vers ici là. Les deux cartes là, de la terre, de l'ancrage, vous restez concentré sur votre ancrage, ce qui vous nourrit véritablement, et vous lâchez les responsabilités des autres. Vous vous concentrez sur votre responsabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne vous laissez plus, comment dire, influencer par l'extérieur ou par ici quelque chose de un conditionnement ou quelque chose ici. Vous ne vous laissez plus déstabiliser aussi par votre colère, parce que je vois le rouge ici, par votre colère ou par votre il n'y a plus d'excès, quoi. C'est ça que je ressens. Vous vous concentrez sur ce qui a de plus, sur l'essentiel, c'est ça, sur l'essentiel. Et vous tournez le dos au conflit aussi, d'accord? Au conflit, on me dit. Au conflit ou ce qui était conflictuel en vous ou ce qui vous mettait en conflit. Puis il y a vraiment une idée de parole. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup justement de la planète, de la Terre, de tout ce qui est éthique. On voit ici qu'il y a des valeurs, etc. Peut-être qu'avant ça vous, comment dire, ça vous ferait surréagir ou réagir parce qu'il y avait une blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice, elle se guérit. Donc vous n'êtes plus poussé par cet élan de cette blessure d'injustice, mais par votre... Mais vous êtes en union avec vous. Vous êtes poussé comment dire, par une envie de partager quelque chose. Ouais, vous vous êtes apaisé, quoi. Vous allez parler de votre intimité aussi, hein, et ça va atteindre des personnes, voyez, avec votre arc, votre voix, vous allez atteindre le cœur des gens, c'est-à-dire vous allez parler véritablement au cœur des gens en parlant de vous, de votre expérience. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, hein? Regardez, je dis parler de valeur, on a la valeur ici. Ouais, il y a quelque chose qui est important pour vous, qui vous nourrit. Et ce sont vos valeurs qui vous nourrissent. Et vous tournez le dos à tout ce qui n'est pas de votre valeur, enfin, qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous vous concentrez à planter, à planter ces nouvelles graines-là. Peut-être que vous tournez le dos aussi à quelqu'un qui vous a, pour certains, qui ne vous a pas nourri tout simplement et qui n'était pas en accord avec vos valeurs et que maintenant, ben, vous avez appris quelque chose par rapport à cette relation, si elle se termine ou si vous changez de direction. Ou sinon,
Ouais, il y a une idée de communion aussi, de partage, hein, encore une fois, de partager ses valeurs, de cette histoire de colibri, hein, ça va très bien avec, hein, et on voit bien, hein, ça va totalement cette image avec Pierre Rabhi, justement, la terre, l'humanisme, cette idée d'être autonome, hein, donc on parle d'autonomie ici. Vous vous concentrez à être autonome ou être responsable de vous. Vous avez toujours été autonome, mais toujours responsable des autres. Et vous lâchez ces responsabilités. Et maintenant, vous vous concentrez sur ce qui est nourrissant pour vous. Ouais, pour moi, vous allez vers un renouveau, clairement. On voit que vous êtes décidé, hein, que vous allez être décidé. Vous avez peut-être vécu des choses ici assez difficiles qui justement deviennent une nourriture, pas dans la colère, ni l'excès, ni quoi que ce soit, mais deviennent une nourriture saine. Vous voyez? Une nourriture saine. Sais pas pourquoi j'entends emblématique, j'en sais rien du tout. C'est ce que je vois. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, une personne intelligente. Vous ne faites pas les choses pour rien. Ou alors vous ne les faites pas. Voilà. Mais vous deviez changer de regard sur vous-même et sur votre responsabilité à vous. Bon, alors ici, peut-être que c'est la famille ou une idée avec la famille ici. Au-delà de la famille nucléaire qui est à l'envers. C'est bizarre qu'on a eu une carte à l'envers aussi dans le premier choix. C'est qu'ici, on voit que vous tournez le dos à peut-être à des membres de la famille à qui il n'y avait pas les mêmes valeurs, justement. Hein. Ou vous tournez le dos à un passé, un karma familial ici, qui vous faisait croire que vous étiez responsable de tout et peut-être responsable de leur malheur pour certains, j'entends, alors que pas du tout, hein, vous n'êtes pas responsable de ça. D'accord? Donc vous reprenez votre responsabilité, vous faites la part des choses et vous vous concentrez sur vous. Donc pour moi, ouais, il y a une idée de quitter un conditionnement ou je sais pas, il y a... Un statut où il faut faire semblant de, voyez, ou une idée de, pour par exemple pour certains c'est il faut faire je sais pas combien d'études pour arriver à ce que tu veux, il faut travailler dur pour arriver à ce que tu souhaites, il faut porter la famille avec toi, sinon ben voilà, il faut ce pilier, c'est il faut en fait, je le vois comme un il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut ne surtout pas être en désaccord avec sa famille pour je ne sais quelle raison. Ça peut être aussi l'image. Il faut être conformé à une image, être bien apprêté, sinon c'est pas bien, il faut ceci, il faut cela. Voilà, il y a une liste longue comme le bras ici, hein, de choses dont il faut, il faut, il faut. Et vous, le il faut, vous vous en détachez et vous allez vers le je choisis. Je me concentre sur ce que je choisis de faire. Donc je me cale à mes valeurs, à ce qui est nourrissant pour moi. Qu'est-ce que vous visez là, dans votre viseur? Même si on le voit ici. Alors, ici, on a la maîtrise des humeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou vous en êtes pris des flèches? Ah oui. D'accord. Il y a comme une idée de d'alliance avec vous-même ici, parce que j'ai l'impression que vous, comme vous preniez tout le temps la responsabilité des autres ou trop,
Ou vous voyez, vous restez calé à des conditionnements, ben c'était par exemple, si je sors du rail, je vais me retrouver avec des flèches dans le corps, voyez, c'est une image, hein, mais je vais m'en prendre plein la face, on va me juger, je vais être brûlée sur la place publique, j'en sais rien, je vais subir les foudres de l'univers, je n'en sais rien, ou si ici, je suis le troupeau, je suis le conditionnement qu'on m'a inculqué d'être comme si il faut être comme ça, je serai glorifié. Je recevrai les glorifications. Je serai à leurs yeux reconnu. Alors que non, vous vous êtes oublié là-dedans quelque part. Donc c'est vraiment vous allier avec vous. Et ce qui est important pour vous en priorité est de vous détacher de cette prison mentale. Ici, parce que c'est une prison mentale. Le je dois, je dois, je dois, je dois, je dois, je dois, je dois faire ci, je dois faire ça. Il en restait encore, hein. Pour certains, il en restait encore. Inconsciemment peut-être, mais oui. Si je fais pas ça comme ça, ben je risque d'être jugé quelque part. Et si je fais comme on me l'a bien appris, eh bien je serai glorifiée, je serai. Voilà. Ou alors c'est si je n'en montre pas mes émotions, ou montre pas que je vais pas bien, que. Il faut surtout pas montrer ses émotions, ça aussi, ça y est dans la famille. Ou surtout pas montrer que ça va pas, parce que c'est une idée où tu te rabaisse, où tu te soumets, où tu te. C'est négatif en fait, de montrer cet aspect de soi en fait, cette vulnérabilité, le fait que ça ne va pas, c'est pas bien. C'est tu es rabaissé, humilié, tu vas te prendre les foudres. Donc si je me montre telle que je suis, je vais recevoir les foudres. Je vais recevoir des impacts, des balles, des flèches. Mais c'est vous qui vous envoyez votre propre flèche dans le cœur ici en faisant ça. Et si je me montre tout beau, tout positif tout le temps et tout, je recevrai ben, la glorification, on va me voir sous mes beaux aspects et voilà. Et je. Non. Ben non. Tout ça, ça change en fait. Vous deviez voir qu'en fait, être soi, être vulnérable, montrer aussi que des fois ça ne va pas, ben fait de vous un être humain que vous n'allez pas recevoir la foudre sur la tête, hein, voyez? Ou que vous n'allez pas être jugé. Et même si vous êtes jugé, le plus important, c'est comment vous, vous êtes authentique vis-à-vis de vous. Ce sont vos valeurs. Être en accord avec vous. Donc pour moi, vous allez parler de ça aussi. Où vous deviez vivre ce que vous avez vécu pour justement parler ouvertement, de façon authentique, à travers vos émotions du moment. Il y a un truc avec l'humour aussi, se cacher derrière l'humour. Il y en a qui disent, oh, l'humour, c'est bien, il faut toujours être dans l'humour, tout ça. Mais il y en a qui ils se cachent derrière aussi pour pas assumer qui ils sont. Ça peut être ça aussi pour vous. Je ne sais pas. Il y a une idée quand même de sortir d'un conditionnement, quoi. Ouais. Vous voyez, j'ai dit ça, il y a le rire à l'envers. Donc c'est ça, hein. Pour certains, vous vous cachiez derrière votre humour ou derrière. On peut rire de tout, vous voyez, c'est bien, mais il y a un excès. Ou pour certains, on vous dit que en allant contre vous-même, vous avez perdu votre joie, la véritable joie, joie intérieure. Et là, vous vous concentrez du coup sur vous, sur votre responsabilité à vous, et cette joie, vous allez la retrouver. Votre humeur aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait des humeurs changeantes. Mais ça, c'est parce que vous ne vous écoutiez pas et c'était lié à, ici au karma familial. Alors, on me dit aussi, c'est possible que
Il y a des personnes ici qui sont. Comment on appelle? C'est pas borderline, c'est. Ah, j'arrive pas à retrouver. Un état, une maladie dans lequel vous passez du rire aux larmes en fait. Je suis désolée, j'arrive plus à retrouver alors que je sais, hein. Ouais. Et donc du coup, ça vous a peut-être fait perdre, on vous a annoncé ça, ça vous a fait perdre la joie. Vous devez vous concentrer maintenant un peu plus, mais c'est lié à votre famille ou quelque chose en lien avec votre famille ici aussi, je dois le dire. J'arrive plus à retrouver là. Ouais, vous lâchez le passé, clairement. Sur la famille, si vous lâchez le passé. Quelque chose qui. Vous étiez dans les mailles du filet, le filet. Dans cette. Obligation à être d'une telle manière. Pour moi, vous quittez tout ça. Vous deviez vivre, vous devez vivre actuellement cette situation, ce que vous vivez. Pour sortir de ça. Ouais, la folie du cœur. Pour vous diriger vers la folie du cœur. Peut-être que vous avez été conditionné à dire non, mais c'est pas bien de se laisser, comment dire, guider par le cœur, parce que tu vas te faire ci, et parce que tu vas t'écrouler, et parce que tu vas tomber, et parce que tu vas rien avoir, et si, et si, et si, et si, et ça. Alors que c'est votre nature, vous êtes comme ça. Vous êtes cet amoureux de la vie, cette amoureuse de la vie, qui a le cœur grand ouvert, qui est connecté aux animaux, à la nature, aux éléments, à tout ce que vous voulez. Mais vous deviez vous détacher encore de quelque chose ici, pour moi. Ouais. Vous étiez ce poisson dans les mailles du filet et vous aspirez à aller dans l'océan, hein. Donc vous nagiez en fait sous l'eau, mais dans ce petit filet dessous. Donc vous n'arriviez pas à aller plus loin, en fait. Et là, vous avez décidé de vous concentrer sur vous et de reprendre votre responsabilité. Et du coup, ben, vous rejoignez l'océan, pour moi. Vous rejoignez l'océan. Pourquoi vous avez vécu tout ça? Même si on vient d'y répondre, mais pourquoi vous avez vécu tout ça? Alors, pourquoi vous avez vécu tout ça? Je vais éternuer, les amis. Je vais éteindre. Donc, si j'éternue, pour moi, c'est que ça nettoie. Il y a quelque chose qui nettoie pour vous au niveau de toute la sphère ORL. La gorge, le nez. Ouais. Les oreilles, la bouche, la tête, toute la sphère ORL en fait. Il y avait quelque chose comme ça. Parce que ça vous prenait en fait. Ça, même peut-être que ça vous a pris la tête à un moment. Ça vous a créé des inquiétudes. Vous étiez peut-être quelqu'un d'inquiet, d'inquiète. Ça a engendré des inquiétudes chez vous. Des angoisses peut-être, ouais, de fausses croyances, peut-être même que vous étiez dans une certaine religion qui vous enfermait, c'est peut-être ça aussi la famille, ou je sais pas, je vais pas dire le mot, mais peut-être une confrérie religieuse ou quelque chose comme ça, et donc en fait vous vous faisiez du mal en plus, parce que ben, comme vous étiez inquiet, inquiète, ben vous faisiez, vous auto-sabotez en priorité et vous faisiez encore plus de mal. Vous deviez vous repentir quelque part parce que vous faisiez mal. Il y avait une idée comme ça dans votre inconscient, pour certains, qui restait. Voyez? Si je fais ça, ben je vais avoir ça. Voyez? Il restait quelque chose encore. Ouais. Et ça vous mettait dans l'inquiétude. C'était pour sortir de cette inquiétude, pour être en paix avec vous. D'accord, les amis? Peut-être un lien pour certains avec une femme ou une femme âgée.
peut vous parler. On vous demande d'être sincère avec vous, d'être sincère envers vous, mais sans vous faire du mal, en vous autorisant d'être qui vous êtes, de libérer vos émotions, de parler avec vos émotions, d'être vulnérable aussi, d'être qui vous êtes au fond. Et de vous concentrer sur ce qui vous nourrit. Et si vous voulez planter, oui, de nouvelles graines ou ancrer un projet, ben vous devez passer par là, en fait. Parce que ça allait vous ralentir, tout ça. Maintenant, on voit que vous êtes concentré, ou vous allez être concentré sur ça, sur votre responsabilité. Et peut-être que cette guidance va vous ouvrir les yeux, c'est le but aussi. D'accord ? Ou certains, c'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou si vous faisiez mal les choses, voyez, on pouvait vous couper la tête ou le bras ou la main carrément. Hein. Dans l'inconscient, c'était ça. Si je ne suis pas les règles, si je ne suis pas si... Mais vous allez me dire, oui, mais moi, Aurélie, je suis un être libre, justement, je suis rebelle et tout. Oui, mais il restait quelque chose. Que vous le reconnaissiez ou pas, ou peut-être ça ne vous parle pas, mais en tout cas, c'est le sujet de la guidance. Et du coup, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous apprenez ici? Qu'est-ce que vous apprenez? On me dit de brasser. D'écouter vos désirs. Les plus profonds. Peut-être que ça agissait sur vous, sur le S-E-X-E. D'une façon ou d'une autre. Peut-être par rapport à la religion ici, ou par rapport à... quelque chose en lien avec la famille où vous ne pouviez pas vous lâcher à ce niveau-là. Et ça fait partie ben, de la vie, hein, de la terre. De... Voilà. Hein. Peut-être pour certaines personnes, c'est ça. Ça vous bloquait. Alors, pourquoi... où vous dirigez du coup? L'ego à l'envers. Et c'est ça, les blessures de l'ego. Une blessure... Et vous portiez, voyez, vous portiez ce poids sur vos épaules, ce poids familial ou ce karma familial sur vos épaules ou ce conditionnement à tout prix, coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Et là, on voit que ben, vous vous en déchargez. Ce n'est plus à vous où vous allez vous en décharger, où le but, c'est de vous en décharger, voyez. Vous quittez la colère, peut-être que vous aussi il y avait une colère, je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, une frustration, une colère, ça a engendré chez vous des frustrations, on me dit. Vous quittez ces frustrations parce que vous reprenez votre responsabilité et il y a un discernement par rapport à ça, il y a une compréhension. Allez, on va prendre maintenant un oracle, un autre oracle, et on continue les amis. Donc pour moi, c'est génial ce qui est en train de se passer. Ouh, ben, il y a d'autres cartes dedans, attendez. Hop. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être que pour certains, vous portiez un secret familial sur vos épaules aussi, qui vous mettait en colère. Un secret, un karma. Hein. Mais pour ça, il faut aller le voir vraiment en consultation, si c'est le cas. Parce que vous, pareil, vous ne le savez même pas. Ou un secret familial, ou pareil, oui, vous le savez. Il y a quelque chose que vous portiez sur vous. Et c'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, on a la carte nourrir. Je vous l'ai dit que vous vous dirigez vers ce qui vous nourrit, ce qui est nourrissant, ce qui est abondant pour vous. L'abondance. L'abondance. C'est merveilleux.
On a des abeilles un peu partout. Vous reprenez votre souveraineté quelque part, voyez? Votre souveraineté. Il y a beaucoup de 7 dans votre guidance. Donc c'est vraiment un chemin spirituel pour vous. Ça vous guide vers ça. Pourquoi vous avez vécu tout ça? Pourquoi? Pour aller vers un renouveau, les amis, évidemment, pour renaître. Ici, on voit qu'il y a eu une transformation, une transmutation. Et vous sortez de terre ici, justement. Vous sortez de la terre. Tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, évidemment. Il y a des phénix ici. Vous renaissez de vos cendres. 6, 7, 8. Ouais. Il fallait absolument ce renouveau. Vous ne pouviez pas avancer, en fait, avec ce poids familial ou ce poids karmique sur vos épaules. C'était pas possible. Et vous étiez en train de perdre la joie, voyez? Ou de vous concentrer sur quelque chose qui un poids devenait trop lourd, en fait. Vous avez réussi, on l'a vu tout à l'heure, à avancer coûte que coûte avec, mais que maintenant vous devez vous en délester, tout simplement, peut-être parce qu'il y a eu de la colère ou de frustration qui vous ont indiqué que ça devenait trop dur. Ou il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Ouais, quoi qu'il se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? L'acceptation à l'envers. Il y avait une difficulté à accepter. Comment dire? J'ai la sensation que vous faisiez du mal à vous-même, en fait, à cause de ce conditionnement-là. Et il y avait une non-acceptation, une difficulté à accepter. Accepter quoi? Je sais pas, ça dépendra. Donc pour moi, il y a eu ici, il y a des éclairs ici. Donc, soit on est venu vous titiller, vous grignoter votre espace vital, ou il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait que vous avez dû accepter, en fait, une situation. Vous n'avez pas le choix. Enfin, on a le choix de l'accepter ou pas. C'est justement le fait qu'on choisisse qui fait qu'on avance. Donc, vous deviez faire ce choix d'accepter vous. Ici. Accepter quoi? Accepter de mourir pour renaître, accepter de mettre au feu tout. Cette tour-là, ça me fait penser à la tour. Les tarots, je vous l'ai dit, il y a eu un événement, quelque chose qui s'est effondré peut-être, et donc vous avez dû l'accepter. Vous avez accepté, ça a été compliqué. Mais ça nettoyait pas mal de choses en vous et autour de vous, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi, petit chaman? Qu'est-ce que vous vivez et pourquoi? Alors, on me dit de brasser, j'ai les énergies d'avant ici. Je vais boire un petit peu d'eau. Ouh. Vous quittez le rôle du martyr, de la victimisation. Peut-être que, voilà, il y avait du mal à accepter une situation.
ça vous a peut-être titillé la blessure d'injustice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une idée d'injustice. Mais c'était pour vous apprendre, comment dire, à accepter ce qui y est. Mais surtout, j'ai l'impression, comment expliquer, c'est ce pourquoi vous avez été conditionné là, ou qui est resté sur vous. Parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, vous sortez de cette blessure d'injustice. Une blessure d'injustice ici avec le martyr. C'est injuste. C'est injuste ce que je vis. Ça vous a mis dans la frustration, peut-être la colère. Je ne sais pas. Que vous quittez d'ailleurs. Tout ça, ça s'arrête, hein. C'est ça, hein, les amis. Ça s'arrête. Qu'est-ce que vous vivez? Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors on a les artistes ici, artistes, artisans de lumière, moi je dis toujours. Mais pourquoi? Pour exprimer votre art, ou vous exprimer à travers votre art. Créer ce que vous voulez créer en fonction de vos valeurs. Inspirer les autres. Prendre votre place. Utilisez votre talent à bon escient. Vous avez des talents ici, un talent en particulier. Vous avez eu besoin peut-être de traverser ce mode ermite, de repli sur soi, de repli sur soi, de rechercher peut-être la solitude pour vous concentrer intensément sur ce que vous voulez intérieurement. Et consacrer vos énergies à cette créativité ou à créer ce nouveau départ ici que j'ai vu. D'accord? Et bien le mettre dans la matière. Mais vous deviez guérir cette blessure d'injustice pour moi. Parce qu'elle devenait. Elle révélait en fait cette problématique ici avec le karma familial. Ouais. Vers où vous dirigez? On a la destruction à l'inverse. Ben, tout ce qui a été, vous pensiez être détruit, en fin de compte, se reconstruit sur de belles bases, ici pour moi. Et puis, quelque part, il y a quelque chose que vous étiez en train de détruire en vous, à cause de ce conditionnement. Peut-être ce côté artiste ou ce côté, comme on a vu tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de connecté au cœur, un fou du cœur. Peut-être que vous n'avez jamais été considéré par votre famille, ou que vous étiez le mouton noir, ou que vous étiez différent et qu'ils ont voulu, voilà. Et que vous, non, et vous étiez en lutte intérieure et vous avez cheminé, mais il restait quelque chose encore. Et quelque part, vous détruisez, vous étiez en train de détruire une partie de vous. Mais ici, on voit qu'il y a une construction d'une nouvelle vie pour moi. Oui. Waouh, héros, héroïne. Je l'ai déjà eu dans une guidance précédente. Mais pour être votre propre héros, c'est-à-dire vous considérez-vous. Et vous êtes quelqu'un de passionné. Et vous allez mettre cette énergie dans cette concentration sur votre responsabilité à vous, de qui vous êtes à vous. Et ça, c'est génial, les amis. D'accord? Et vous quittez tout ce qui est vampire énergétique. Et tout ce qui s'ensuit, hein. Il y a peut-être une personne ici qui était vraiment vampirisante, hein. Alors ici, je vais prendre mon oracle, un oracle que j'avais créé, mais c'est juste un prototype, des petites cartes, et on va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Je suis désolée pour les personnes qu'on entend derrière. Ce sont mes voisins qui parlent très fort, très très fort. Blablabla, vous entendez? Allez, ouhouhou, il y en a trop. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, choix numéro 2? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Une carte retournée, s'il vous plaît.
l'aigle. Vous prenez de la hauteur, vous changez de regard. C'est peut-être votre animal totem ici. On l'a vu l'aigle tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur la carte ici. L'aigle. Voyez, vous vous envolez, vous prenez de la hauteur. Il y a un envol ici. Vous vous envolez, vous renaissez avec un regard différent. L'aigle. Vous vous élevez au-dessus des montagnes ici. On a le feu, la purification. On l'a vu tout à l'heure aussi, le feu. Je ne sais plus dans quelle carte c'était, mais il y avait du feu. Je m'en rappelle. Ouais, ici. Vous voyez? Le feu purificateur. La transfiguration. On brûle ici aussi un schéma. Voyez le triangle de Cartman, ce qu'on appelle ici victime, bourreau, sauveur. On sort de ça. Ça aussi, c'était un conditionnement. Pourquoi vous l'avez vécu? Pourquoi vous l'avez vécu? Est-ce qu'on peut me dire avec mon oracle? Alors là, il y en a trop. On avait le tambour et l'énergie. Pourquoi vous avez vécu cela? Ou vous vivez cela? Elle veut venir ou pas? Non, il y en a trop. Pourquoi vivez cela? Pourquoi? Ben, c'est votre destinée, tout simplement. Vous avez actionné, vous avez appuyé sur quelque chose. Il y a eu un vœu, il y a eu un besoin, il y a eu... Voilà, c'est votre destinée. J'ai mon chakra-gorge qui se... Ouais, peut-être qu'il y a eu du mal à l'accepter vraiment avec la gorge ici. Et on a la transcendance, la carte 20. La transcendance. Transcender ses peurs, transcender. Il y a vraiment un nettoyage ici pour moi. Vraiment. Qu'est-ce que vous vivez? Alors là, il y en a trop. Mais il y avait patience et union. Il y a encore cette idée d'union comme on l'avait vu ici. Hein. On vous dit d'être patient dans une union, union sacrée, ou d'être patient dans un partenariat. Voilà, ça va se faire en fait. Il y a quelque chose qui va se faire hein. Par rapport à une union, un partenariat ou en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'unifier. Vous avez peut-être eu besoin de patienter, de... Ouais. On vous dit de vous concentrer sur votre respiration. Respirez. Respirez, les amis. Ouais, vous vous êtes dépouillé. Il y a eu un dépouillement par rapport à, je vous l'ai dit, hein, les conditionnements et comme le choix numéro 1 pour vous envoler. Pour vous envoler, les amis. Donc, c'est parfait. Écoutez, on va clôturer la guidance avec une carte de, ou deux cartes de l'oracle de la lanterne pour clôturer cette guidance. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? On va dire, voilà, la synthèse. Quels sont les derniers messages par rapport au choix numéro 2, les personnes du choix numéro 2? On en a deux. Donc, ça ne me va pas. Deux, pareil. Une carte, s'il vous plaît. Une pour commencer. Voilà. L'assistance à portée de main. L'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. Alors peut-être que ça a demandé ou ça vous demande de demander de l'aide en haut ou en bas et d'accepter l'aide qu'on vous donne ici. D'accord? Si on veut vous aider. C'est important apparemment. Message. Hop. Il y en a deux. Dernier message.
L'intention, elle est magnifique cette carte. J'espère que vous la voyez bien. L'intention. La carte 31. Ouais, on vous dit, vous pouvez être aidé et faites attention à l'intention que vous envoyez en haut. Vous voyez, c'est en haut, je sens ici. Des anges, des présences. Qu'on est prêt à vous tendre la main, à vous aider. Autant faut-il demander. Et si vous me dites, oh ben je demande, faites attention à ce que vous demandez, soyez plus précis. Lorsque un manque de direction personnelle, lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors si c'est par rapport à une autre personne ou que je vous ai dit, hein, les responsabilités que vous avez prises à la place des autres, hein, vous devenez leur pion sur l'échiquier. Vous ne suivez plus votre direction personnelle. Et c'est ça en fait qu'il faut reprendre, votre direction personnelle, pour ne plus être dans la confusion. Voilà les amis. Et pour moi, vous allez y aller. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui vous avait épuisé. Vous avez fait fondre le masque ici. À cause de ça, de cet conditionnement, vous avez comment on dit, des choses erronées en vous. J'arrive pas à trouver le mot. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver les mots, justement. Vous donniez carrément au manipulateur ici. Mais vous deviez arriver chez vous ici, chez soi, en vous. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Et c'est ça. C'est ça qui est de votre responsabilité. C'est là où vous allez, les amis. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'est une gratitude, c'est un merci pour le travail et l'énergie offerte. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire, à partager cette vidéo autour de vous, dans votre communauté si vous faites le même travail que moi sur YouTube, le partage c'est important. Et si vous regardez mes vidéos, ben, ce sera très gentil à vous. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt, paix et amour sur vous. Namasté.